Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, donc bienvenue pour une vidéo, je ne sais pas combien, une autre vidéo unboxing comme vous en avez l'habitude sur la chaîne. Car oui, comme vous savez, je peux faire que ça comme contenu sur la chaîne en ce moment. Donc voilà, donc du coup je vous propose une vidéo, donc c'était pas prévu. J'ai quand même en faire une en vite fait. Voilà, donc c'est une vidéo unboxing d'un fly case pour du coup ma table DMX que du coup vous avez déjà vu auparavant dans les vidéos. Même si je vais en racheter une nouvelle qui sera à peu près de la même taille. Mais voilà, mais du coup j'ai commandé un fly pour mettre déjà celle-là dedans. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite après l'intro pour l'unboxing. Donc voilà, donc du coup on se retrouve. Donc voici donc là à peu près grand. Donc ne soyez pas choqués, je l'ai déballé. C'était juste pour savoir si ma table DMX allait bien dedans. Je vous avoue que quand j'ai commandé, j'étais serein. Mais quand je l'ai reçu, je me suis mis à avoir un doute quand même. Et non, heureusement, elle coule dedans. Donc j'ai de la chance. Donc, mais c'est vrai que je me suis mis vraiment à avoir un gros doute. Je me suis dit, putain, ça se trouve, elle coule pas dedans, j'aurais l'air fin. Mais non, elle coule bien dedans, donc c'est pour ça que je l'ai ouvert du coup. Mais voilà, mais bon, là je refais un unboxing, un peu, on va dire un re-unboxing. Donc voilà. Donc alors c'est parti pour l'ouverture. Donc, je le fais à une main, donc c'est pas évident. Fais gaffe de parier le coffre. Donc attendez, je fais une ellipse, j'ouvre la boîte et je vous retrouve. Donc voilà, donc le carton est ouvert. Donc comme on peut l'apercevoir, c'est tout simplement un fly. Hein, tout simplement comme on en a l'habitude, comme on a l'habitude d'en voir. Donc maintenant je vais le sortir. Donc à tout de suite. Donc voilà, donc le fly est sorti. C'est un fly de marque AQK. Donc je ne sais pas si elle est connue cette marque là. C'est un fly que j'ai pas payé vraiment très cher. Voilà. Donc, la vidéo a l'air d'être un peu floue. Désolé pour la qualité de la vidéo. Mais il faut savoir que je filme avec mon portable, hein, tout simplement. Donc, voilà. Donc, c'est un fly du coup avec verrou papillon. Je vais te mettre un petit voir. Voilà, verrou papillon. Donc, on va tout de suite ouvrir. Voilà. Et puis voilà. On se retrouve voilà avec un fly. Comme on peut l'apercevoir, le fly, donc le coffre en bois avec des vis. Voilà. Je pense que c'est relativement solide. On a une espèce de coffre là. Je sais pas trop. Donc, déjà, tiens, tout de suite. Donc pour ceux qui demandent, on peut ouvrir directement le fly. On peut enlever le couvercle entièrement. On peut l'enlever entièrement. On peut aussi mettre, au pire des cas, on peut bricoler pour mettre un deuxième table DMX, mais moi je pense pas. Moi je vais me contenter d'une. En tout cas, voilà, on a la régie qui est là avec la boîte. Donc je vais regarder avec ma table DMX. Attendez, je fais une ellipse. Oh puis non, je vais dire un coup la chercher. Allez-y, on va pas faire. Donc voilà. Voilà, donc moi pour ma part, la petite boîte va me gêner. Donc la petite boîte pour ma part, je vais la dévisser. Et c'est ça que moi, ils ont mis une petite boîte, mais ça va. Je pense que ça va me gêner pour mon branchement DMI. Je viens de voir ça, ça va vraiment me gêner. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Voilà. Je vais rebricoler un petit truc. Hein. Je vais bricoler un petit truc histoire d'enlever l'espèce de coffre sans vraiment trop abîmer le fly. Ah, j'ai juste enlevé le petit coffre, je vois qu'il sert à rien d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi ils ont mis ça. Enfin, en tout cas, voilà. Ce que ça donne en visu. Voilà, donc du coup, oui, comme je vous dis, j'ai enlevé le petit truc. Donc j'ai essayé de faire ça ce soir sans casser le fly, en essayant de pas le casser. Et moi, je vais essayer de faire attention. Voilà. Juste, je pense déclouter. Hein. Ça doit être, c'est vraiment des clous, donc c'est pas. Je pense que c'est pas bien méchant à faire. Non, moi, je pense que c'est pas bien méchant avec un espèce de tournevis, c'est d'essayer de déclouter le coffre.
voilà, c'est vrai qu'il sert à rien. Je sais d'ailleurs pas pourquoi ils ont mis ça. Ça sert à que de là, à part pour ranger éventuellement les câbles. Donc voilà, donc ma table des mix nickel dedans. À part juste ce petit bémol, à moins que. Attendez. Là, je vais faire une ellipse du coup pour voir faire un test avec une prise DMX, voir si ça passe quand même. Attendez. Donc, revenons à la résultat. Donc, effectivement, le boîtier gêne. Effectivement. Donc, en tout cas, je l'enlèverai. Je vais essayer de voir si ça va pas trop abîmer le fly. J'espère pas. Franchement, j'ai testé. Ou alors, du moins, enlever juste la plaque en bois là. Juste la plaque en bois, la découper ou. Enfin, faire un système de façon à ce que je puisse au moins, du moins, brancher mon DMX, mais ça va se faire rapidement. Je m'angoisse pas pour ça. Donc voilà, en tout cas, c'est une petite présentation du fly, tout simplement, qui est relativement propre. Il y a pas, voilà, c'est relativement propre, bon, c'est un fly, quoi, tout simplement. Juste ce petit défaut-là du truc, mais sinon le reste, c'est quand même relativement propre. Ça reste quand même relativement propre. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo, donc je vais pas en dire grand chose, c'est un fly, hein, c'est tout simplement un fly. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à mettre un pouce bleu, il y a un commentaire, et puis j'y répondrai bien sûr. Et n'hésite pas à t'abonner et me suivre, et même sur mes réseaux. Allez, ciao tout le monde!